De tout le monde, c'est Tartan, sauf pour un nouvel épisode de GTA 5 solo série tuning. Donc j'ai pris la Furor GT, donc encore une sportive. Donc prochain épisode on passera une autre catégorie de voiture, parce que là on est encore en sportive. Donc cette Furor GT qui va plutôt pas mal vite sans tuning. Hop. Hop. On va de suite passer au Los Santos Custom. Puis on la retestera en sortant. Hop là. Voilà tout, on est arrivé. Allez. Alors. Ben, on va d'abord améliorer tout ce qui est... esthétique. Support néon, bien sûr, on met couleur, on va mettre du néon bleu, parce qu'on va la laisser en rouge, je pense. Plaque, on va laisser la plaque blanche, du coup. Couleur, peut-être en mat. En mat. En mat rouge. Ouais, non, plutôt métallisé le rouge. Voilà. Comme ça fait plutôt pas mal, sauf je crois que la deuxième couleur c'est pas le même rouge. Non, c'est du métallisé. On peut peut-être essayer avec le noir là du coup. Ah bon, le noir il fait plutôt marron donc non. On va remettre le même rouge je pense. Je sais même pas lequel c'est que j'ai mis. On va mettre ça, hein. Hop, voilà tout. Ensuite, pour les suspensions, on rabaisse. Transmission, on met. Turbo, on met. Roue. Alors ça doit être du... C'est pas du haut de gamme. Oh, si on peut mettre ça en haut de gamme. Non, on mettrait plutôt en sport. Voilà. Avec les... Non, parce que les Merci, elles vont bien, mais je les mets sur toutes mes voitures, donc... on va changer un peu de cliente. Voilà les Ace Racer. Voilà. Couleur, on va mettre en noir, bien sûr. Accessoires de roue, on va mettre pneus custom. Je mets de pneus bleus. Fenêtre teintée. On va repasser sur l'amélioration moteur. Klaxon, on s'en fout. Frein amélioré et blindage. 100%. Voilà, donc on ressort. On va se tester ça vite fait. Ah, elle est super jolie. Magnifique. Putain, plutôt une bonne vitesse, hein, une bonne accélération. Oula. Ouais, donc elle freine, en plus elle freine bien, c'est bien ça, c'est parfait. Donc bah c'est tout pour cette vidéo je pense, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo tuning. Allez, ciao ciao tout le monde.